Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera normalement le 334e épisode de ma Save Room si je fais bien mes comptes, je vais du coup vous montrer sur Dead by Daylight, comme vous voyez là en fond le temps que le jeu se lance, du coup le projet W, donc tout ce qui a été rajouté, et je vous ferai du coup en petit bonus, alors du coup ça va être le plus gros de la vidéo, trois parties, donc une où je joue Wesker, une où je joue Rebecca et une où je joue Ada, et du coup qui sera faite du coup avec en partie privée avec des amis, comme ça voilà on peut vraiment tester le Schimblick. Mais voilà, je vous évoquerai ça vite fait à la fin. Alors on va voir la petite vidéo d'intro. Donc qui était le petit trailer qu'on avait déjà eu. Le doubleur a fait quand même un excellent boulot pour faire la voix de Wesker, parce que du coup ce n'est pas DC Douglas. Hop. Du coup, j'ai acheté le DLC Projet W du coup à 11,99€, où du coup dedans on a le tueur Albert Wesker, Rebecca Chambers et Ada Wong. Et là du coup comme vous avez entendu, il y a le Dead by Daylight. Vous avez peut-être pas entendu parce que je parlais devant. Mais ça voilà, c'est un petit truc qu'ils avaient rajouté pour le premier chapitre Resident Evil qu'il y a eu sur DBD l'année dernière, et là ils l'ont remis cette année, donc je trouve ça ultra cool. Qu'ils font un petit lien avec les jeux, que quand tu lances les premiers heures, ça faisait un Resident Evil. Et là du coup ça le redit, voilà. Un petit détail que j'ai trouvé très cool. Du coup voici le menu. Donc, alors dans mes souvenirs c'est le même qu'on avait eu pour le premier chapitre Resident Evil, Dead by Daylight. Donc du coup qui était avec Nemesis comme vous le voyez, parce que voilà c'était mon main tueur, et du coup en gros le dernier tueur que vous avez joué apparaît sur l'écran principal, et vu que c'est lui le dernier que j'ai joué, bah voilà il apparaît. Du coup pour vous montrer vite fait les personnages, je pense que je vais aller dans la boutique directement, la boutique qui est ici. Donc voilà c'est ce pack là. Alors est-ce que je peux... Non ça m'aide pour le débloquer. Alors du coup on va aller dans... Alors normalement il doit y avoir un petit bouton ici, non? Non, c'est pour les codes. Et où c'est qu'on voit la per... Bon, on va aller dans le personnage. Alors, du coup, un nouveau personnage en héros. Du coup, on a Ada Wong. Donc voilà, Ada Wong qui a du coup une tenue spéciale qui est celle-ci. Donc voilà où elle est avec la veste de R2 Remake. On a ensuite Rebecca Chambers. Donc voilà, qui a sa tenue Stars de base. Voilà, et du coup qui a aussi une tenue en Cowgirl, donc de R0 si j'ai pas de bêtises, vu que c'est un des seuls jeux où elle a paru. Donc voilà, je trouve ça cool quand même qu'ils ont rajouté cette petite tenue là. Donc voilà. Ensuite en tueur principal, du coup voilà, si vous prenez le DLC vous avez Wesker. Donc voilà le petit Wesker, et vous pouvez acheter en bonus la tenue des Stars, que je trouve plutôt cool. Voilà. La petite tenue Stars pour Albert Wesker. Donc ça, voilà, c'est tout ce que vous avez. Du coup, si vous prenez le DLC, vous avez du coup ces trois personnages-là, sans les tenues. Bien sûr, les tenues, il faut les acheter ensuite. Mais après, comme vous l'avez vu, hop, en vedette, ils ont rajouté des nombreux costumes. Donc du coup, je vais vous les montrer. Alors du coup, il y en a pour Jill. Donc Jill, de base, on a du coup la tenue Claire Redfield. Qui est... Donc on a la tenue de Claire et du coup la tenue celle-là. En jupe, et du coup ils ont rajouté la tenue Stars, donc voilà ils ont rajouté la tenue Stars d'Hero 3 Remake, et en petit bonus on a aussi la tenue de Sheva Alomar.
Voilà, donc pour Jill Valentine, on peut jouer chez Valomar aussi si on a envie. Donc ça, je trouve ça vraiment ultra sympa de rajouter un autre personnage. Même si je pense qu'ils auraient pu le rajouter à Ada ou à Rebecca, un des deux. Et l'autre, du coup, Ada ou Rebecca, parce que voilà, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs tenues sur un autre personnage. Donc du coup, pour Léon, ils avaient fait Chris et la tenue R4, donc c'est la tenue que je joue tout le temps. Ils avaient, et là, du coup, ils ont sorti la tenue policier noir. Donc des redux remake. Et Carlos Oliveira. Voilà, Carlos Oliveira pour du coup le Léon. Donc voilà, c'est plutôt cool. En autre tenue, alors voilà, c'est pour des autres personnages qui ne sont pas du coup des personnages Resident Evil. Du coup, pour Fang Min, ils ont rajouté une tenue de Jill. Alors je sais pas si ça va être accessible. Ouais, là. Voilà, ils ont rajouté une tenue de Jill pour Fang Min. Donc c'est la tenue Stars. Donc je trouve ça ultra cool qu'ils mettent des tenues comme ça à des personnages. Qui ne sont pas Resident Evil. Et l'autre, c'est Félix, que je ne vois pas. Là, il est là. Donc voilà, Félix. Est-ce qu'on peut voir cette tenue ou pas? Ça va être là. Du coup, Félix, ils lui ont mis la tenue de Chris Redfield. Voilà. Bon, par contre, ils se sont trompés. Ils ont mis uniforme du Stars. Alors que techniquement, c'est l'uniforme du BSA. Donc je pense qu'il faudra peut-être qu'ils voient pour qu'ils y corrigent la ligne, mais voilà. Ils ont mis le costume de Chris BSA RE5 pour lui. Et côté tueur, du coup, il faut prendre la Légion qui est. Elle est payable la Légion? Ouais, elle est là. Donc la Légion, et du coup, vous avez une tenue que je trouve vraiment ultra classe. Voilà. Ils ont mis le costume de Hank pour la Légion. Voilà, je trouve ça vraiment ultra sympa. Alors attends, je vais juste vérifier un truc. Alors, ça paraît de compter, mais en fait, si vous achetez certaines tenues, alors si pas de conneries, normalement, celle-là, la tenue d'Ada compte. C'est pas marqué. Si voilà, c'est marqué tenue du projet W. Alors, je sais pas si on verra, moi personnellement, c'est un peu pixelisé vu que j'ai pas l'écran en full. Mais voilà, normalement, vous voyez, c'est marqué tenue du projet W. Et en fait, si vous en achetez 3, vous débloquez une capsule par tenue. Donc, c'est par exemple, vous achetez celle-là, vous débloquez une capsule en petit porte-clés que je vous montrerai après. Si vous achetez la tenue Rebecca, vous, du coup, vous aurez une deuxième capsule. Et si vous achetez Wesker Stars, vous aurez une capsule aussi. Voilà, donc du coup, voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 3 capsules. Donc du coup, les capsules, qu'est-ce que c'est? C'est des petits charmes. Donc des petits charmes, c'est des petits porte-clés qu'on attache à la ceinture du personnage. Ou pour les tueurs, on y accroche à leur crochet. Ça fait beaucoup d'accroches. Donc ça, je vais vous montrer. Parce que du coup, si vous achetez le DLC, du coup, à 11,99€, vous débloquez le vert. Et vous pouvez du coup débloquer les trois couleurs, si j'ai pas de bêtises. C'est violet, rouge et orange, je crois. À confirmer, mais voilà, je sais qu'il y en a trois autres. Donc voilà, c'est ici, du coup, on a des petits charmes. Et la fiole, la fiole, la fiole, la fiole, elle est ici. Voilà, une fiole verte. Donc voilà, une fiole de virus, voilà. Vous pouvez avoir ça en trois autres coloris si vous achetez du coup des tenues en plus. Donc par exemple, si vous achetez Rebecca, Cowgirl, Ada, Imperméable et Albert Wesker, si vous achetez ces trois-là, vous aurez les trois. Parce que vous en achetez qu'une des trois, vous aurez une des trois capsules. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que la deuxième, c'est tout le temps la couleur adéquate ou tout comme ça? Là, je pourrais pas vous dire. Donc voilà tout ce qu'il y a dans ce DLC-là. Donc là, du coup, maintenant, vous allez assister à trois games qu'on a fait en partie privée. Voilà, pour essayer de, voilà, de montrer un peu les personnages, montrer le Mori pour Wesker, tout ça. Donc je suis accompagné du coup de ma sœur Darkwolf, que vous avez déjà vu sur notre vidéo DBD. Je serai accompagné aussi de Loïc, mon petit frère. Pas Grota, un autre du coup. J'ai deux petits frères. Il y a Mimosa, donc du coup qui est un copain, et puis du coup le copain de ouais, Darkwolf. Et Raptar, voilà, que je ne présente plus parce que vous connaissez qui c'est. Donc voilà, vous allez retrouver du coup ces trois games à la suite, et puis voilà, n'hésitez pas si certaines personnes vous intéressent du tout, c'est des petites games comme ça qu'on a fait à la cool. Voilà, normalement je pense que je vais vous faire les timecodes et tout, je vais m'inspirer un peu de l'ami Noah qui a fait des vidéos pour montrer tout ça. Voilà, donc c'était tout pour là, donc je vous dis bye bye parce que du coup la dernière partie marquera la fin de cette vidéo. Donc ciao! Du coup, on se retrouve en côté tueur. Donc, du coup, je vais jouer Albert Wesker avec du coup ses trois perks à lui. C'est pas ce bouton-là, je me suis planté.
Ouais, qui pensait là. Donc du coup, qui a la perque anatomie supérieure, donc du coup lorsqu'un suivant effectue un saut rapide à moins de 8 mètres de vous, cette compétence s'active. La prochaine fois que vous sautez à travers une fenêtre, votre vitesse de saut augmente de 40%. Donc ça c'est un truc de pute. Pendant le transport d'un survivant, vous pouvez voir l'aura des autres survivants à 20 mètres de votre position. Et le terminus, donc lorsque les portes de sortie sont ouvertes, les survivants demeurent... Non, demeurant brisé pendant 30 secondes supplémentaires ou un truc comme ça. J'arrive pas à lire, c'est tout pixelisé sur cet écran de merde d'OBS. Hop, du coup tout le monde est prêt. Allons à la fistinière. Et du coup, donc c'est Dark Wolf, ma soeur, qui a choisi la map. T'as mis quoi? T'as mis L ouest? Ouais, l'aile ouest. Ok. Est, je crois. Est? Ouest? La première, m'a dit. Bah techniquement ça doit être... Alors si c'est par ordre alphabétique c'est Est, mais sinon c'est Ouest. Ouais, je crois que c'était Est. Bon, en tout cas il faudra faire les deux, donc... C'est parti. Et du coup j'ai mis un Morim, ça c'est le cas où il y a quelqu'un qui tombe dans mes bras. Hashtag Mimo. Ah par contre ça fait un moment que j'ai pas joué à DBD, ça va faire plus d'un mois. Il aurait peut-être dû faire une game d'entraînement avant. Et du coup, bah, c'est des petites games à la cool. Hein. Bon, après, s'il y en a qui veulent jouer leur vie, ils joueront leur vie. Mais le but, c'est de trucs à la cool pour montrer un peu les perks, les personnages, tout ça. Je précise. Bon, du coup, je vous ai pas fait dire bonjour à tout le monde, mais voilà, il y a... Du coup, comme vous avez entendu ma soeur, il y a Raptar, que vous connaissez un peu de la chaîne. Donc, bonjour à toi, Raptar. Il y a Mimo, donc bonsoir, bonjour à toi. Salut, salut. Et à mon frère Loïc. Bonjour. Bon, c'est parti. T'as pas mis la map? Ouais, ça a pas mis Oui. la map, t'as foiré un peu le truc. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on pourra faire 3 games, donc... Non, j'ai bien mis le truc là comme je fais d'habitude. Charger le bon. Je donne les calls, sinon. Alors comment ça s'utilise le truc? Ah d'accord, j'ai compris. Alors comment on la pète ce truc? Ah, d'accord, j'ai compris pour passer par-dessus. D'accord. Attends, ça fait un moment que j'ai pas joué. C'est pas ça, c'est ça. Bon. I'll see you dead. Ah, c'est vrai que j'ai oublié qu'il parlait. Ah, c'est bizarre de pas avoir. Sur Nemesis, je mets un poigne de fer pour du coup avoir mieux d'accroche. Quoi? Contaminé. Ouais, mais je crois que tu m'as pas balancé contre un mur, du coup ça m'a pas fait faire des dégâts. Ah, d'accord. Si tu m'aurais plaqué contre un mur, je pense que ouais, j'aurais pris du dégât et infecté en même temps. D'accord. Ou si tu me balances sur quelqu'un d'autre, je crois que ça fait.
Léon. Oulolo. C'est des sauts de grenouille là. Non. À la sensibilité, j'ai perdu l'habitude. Non. Yeah, comme il saute. Oui. Je suis en train de... En plus, je vais être malade à fond, là. Ah ouais. Oh, ça me ralentit. Quand t'es infecté à fond, je crois que ça te ralentit. C'est terrible. Oh non. Dans le casier. J'ai horreur quand ça fait ça. Bon, je vois pas les crochets. Bon, ben, il va y avoir le temps de se barrer, je pense, parce que... Aïe. Qui a fait ça? Non, de toute façon, je suis... Ben, je suis où, là? Ça me rend un peu plus... Loïc évite de faire ça, parce que du coup, tu... Ça dit que j'ai une chance. Bah, mais tu vas te faire crever plus vite, à moins que t'as pris la perque spéciale pour te détacher. Y'a quelqu'un qui essaie de m'ébouillir, je sais pas qui c'est. Ah, moi ? Si, j'ai réussi à me dégager. T'as réussi tout seul ? Oui. Oui. Mimo. Non, 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 non. En plus, ça me ralentit de plus en plus l'infection, genre. Là, ça m'arrête des moments. Mimo. Non ! Ah, bah là, voilà. Je vais te taper contre l'arbre. Aïe, mais... Pourquoi il y a des trucs à travers moi? Des tentacules vers mon écran. Ouais, parce que du coup, t'es contaminé. Donc du coup, faut que tu trouves un spray et que tu te soignes avec. Ah merde, il y en avait un juste à côté de moi. Et dans les boîtes, t'as deux sprays, je crois. Yeah. Oh, j'aimais serrer les dents, mon skin n'a pas de bruit. Ouais. Ouais, il y a 15 près là. Ah, c'est terrible. Alors. Attends, c'est quoi la deuxième option que j'ai? Quoi? Il y a ramasser et charger le bon, d'accord. Bon, je pense pas que charger le bon ça va servir à quelque chose maintenant que t'es par terre. Ah non, on est déjà... Bon. Non, il est bien silencieux depuis tout à l'heure. C'est bien, la prochaine fois je meurs direct. Ouais. Ou si je te chope, je peux te mourir. Ah, vas-y, fais-le. Hein? Non. Bah si tu veux après je peux le faire, hein, mais ça je vous montre à quoi ça ressemble.
Non, 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 non. Là, sur la mimo, il voulait me réanimer. Ah, c'est bon. Ah non, j'ai des tentacules, je vais mourir. Pousse trop un truc. Et moi, t'en as ? Non, mais j'en ai posé normalement. Mais au moins, il y a une caisse. Une boîte. Voilà. Raptor. Moi j'ai pris la lampe rouge, je vois comme il vient de te... Ah merde, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi moi je vois pas la lumière rouge? Quelle lumière rouge? Et le chat il charge. Oui, ils ont diminué la lumière rouge du des tueurs, je crois. Ouah, comme il charge. Il va courir. Et le chat, c'est normal qu'il est rouge. Enfin, il charge, je dirais. Ouais, quand je cours, il s'enlève de plus en plus. Ah, mais en fait, c'est quand je cours. C'est les yeux qui font viser Mimo. Je vise les yeux. Wouhouhou. Mimo. Ah, tu vas mourir. Non, il est en train de mourir. Qui est rap? Il fait des coups. Ah, je croyais que c'était Raptor. GG. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Bah, tu as fait tomber la palette au bon moment. Il y a un truc derrière qui marche. Ah, c'est qui? Ça fuit. Je suis pas focus non plus. T'es parti au dernier moment. Presque tous P2. Hein. Non, non, non. Non. What? Quoi? Alors, t'as palette, mais ça a quand même. Je t'ai quand même attrapé. Par contre, ça c'était dégueulasse cette action. Moi, juste pour ça, je vais pas t'attraper. Parce que là, franchement, c'était dégueulasse. C'est qui voudra offrir son corps à la science et se faire mourir? Moi? Je suis pas P2 encore. PV. Ah bon? Il faut que je passe P2. Ouais, faut que je passe P2 pour être mori. En fait, on est tous sauf toi. Oui, je sais pas. Moi, je croyais que c'était toi qui allais mourir en premier depuis le début. Ah oh non, faut que je retrouve un truc pour les tentacules. Je vous dis préparer à cavaler. GG. Oh non, je peux plus. Oh, tu vas mourir, faut que je te voie. Tu peux plus soigner. Ouh là 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 là. J'ai perdu le tito. Ouh putain, moi je l'ai trouvé, je te le donne. Je te le donne. Non, mon joli.
Moi, c'est lui qui va se faire mort. Ouais. Oh, c'est trop fort. Mais qui s'y va? Il veut faire quoi, la cave? Je suis caché dans la case, tu dois me trouver. Mais oui, mais merde, je peux pas. Voilà. Je sais pas, t'es bloqué de soin. Je sais pas d'où ça vient. J'ai réussi à partir. Y'a une porte près de moi. T'es vers où? Non. Non. Viens, j'offre mon corps à la science. Derrière toi. C'est trop tard. Ouais, mais... je comprends rien. Tourne, c'est moi. Attends, on va le voir mourir. Regarde plus vite. Oh, on va le voir le mourir là en direct. Je me mets sur la montagne, comme ça tout le monde peut voir. Ouais, sur la montagne, là. Ah, ici. On va faire le roi lion. C'est le roi lion, ouais. Alors, tu es. Ah, il a pas ton pote. Ah merde! Je le vois. Tu veux pas moi, si tu veux. Ah merde! Wow! Terrible. Ouais, maintenant qu'elle va. C'était plus vers toi. Elle t'a foutu une fiche avant que tu meurs. Ouais. Ah, il a. Mais t'as repris tes lunettes alors que tu t'avais plus. Il a un stock sur lui. Ouais, mais il est trop stylé. Il est vendeur de lunettes, c'est. Oh non, c'est fermé. Non, mais attends, mais j'ai pas le temps de sortir là, je vais mourir. Bon, je t'offre des nouvelles lunettes, mais tu vois pas. Mourir, c'est pas bon. Non, c'est bon. Il rigole, c'est pas drôle. Il est au fond. Regarde le bas signal. Je suis mort, il prend un coup, je le deuxième. Non. Fini de jouer. Ah, mon skin, hein. Je suis mort. Ah, il y a la palette. Hein? Ça m'a caché la palette. La palette. Ah, mes yeux. Ah, mais non, en fait, il remet ses lunettes. Raptar, par contre, lui, il a fui, il a pas cherché à comprendre. il s'est barré, lui. Je l'ai pas revu à la fin, il a même pas tenté de venir regarder le Mori. Ah, t'étais là? Je t'ai même pas vu. Non, j'étais pas sûr, mais j'étais juste en dessous. Ah. Une vraie petite fouine. En vrai, Wesker, c'est cool comme personnage, mais parfois c'est trop cheaté. Hein. Là, à un moment, j'ai chopé Loïc, il a fait tomber la palette, mais j'ai réussi à le choper quand même. La palette et lui, ça a fusionné tous les trois, en fait. C'est pour ça que je l'ai laissé partir, parce que c'était vraiment dégueulasse. Mais d'accord, mais sinon, ça reste intéressant, le gameplay de Wesker. Faut être très attentif, parce que c'est très rapide. du coup, c'est toi, Raptar, qui a passé tueur, là, du coup? Non. C'est pas moi, du coup. Il a dit oui? Oui, il a dû faire comment? C'est en bas à gauche, je crois, c'est passer en spectateur. Ouais, c'est ça, passer en spectateur après tueur, mais là, il faudra que je dégage moi, parce que du coup, j'ai la place du tueur. Du coup, en game survivant, du coup, je vais jouer Ada Wong. Donc là, vous voyez pas sa tête avec ma cam, mais c'est pas grave. Donc du coup, en perk, elle a guérison réactive. Donc lorsqu'un autre survivant perd un état de santé dans un rayon de 30 de mètres autour de vous, quand vous êtes blessé, votre progression de soins augmente instantanément de 50% de la progression de soins manquant. Donc ça veut dire qu'on soigne plus vite si quelqu'un est blessé autour de nous, si je comprends bien. Après avoir réparé ses générateurs pour un total de 33%, cette compétence s'active. Après avoir réparé le générateur pendant au moins 3 secondes, appuyez sur le bouton de capacité active pour installer un micro caché qui reste actif pendant 80 secondes. L'aura des générateurs piégés révélé en jaune. Lorsque le tueur se trouve à moins de 14 mètres du générateur piégé, son aura se révèle à tous les survivants. D'accord, donc en gros, tu mets un truc dans le générateur et après, si le tueur il passe à côté, on le voit. Et l'autre profil bas, lorsque vous êtes le dernier survivant en vie, cette compétence active, vous masquez vos marques d'éraflure, vos flaques de sang et vos gémissements de douleur causés par des blessures pendant 90 secondes. D'accord. En gros, avec Adolf, avec cette perte-là, faut être tout le temps le dernier, quoi. Sinon, elle te sert à rien. Hop, je passe en plein écran. Hop. Du coup, t'as pris Wesker? Ouais. Tu as beaucoup joué avec?
J'ai fait 3 games hier, je crois. Et un peu pendant la méta. Ouais, le PTB. J'aurais dû dire à Mimo de prendre Chris. Comme ça, il lui aurait dit la petite phrase spéciale pendant le Mori. La game prochaine, je prendrai Laquelle? Chris. Il dit un truc du genre It's time to die, Chris. Une phrase qu'il dit dans les jeux. Et c'est comme avec Nemesis, si tu tues un Stars, bah du coup il gueule Stars pendant son Mori. Ils mettent des petites particularités comme ça, c'est cool. Bonjour le mec. Entre eux. Oh, y a personne en moi, y a aucun truc. Il y avait un générateur là où on était, espèce d'abruti. Ah, attends. Ouais, mais c'est tout ce que tu vois. N'allez pas au milieu. N'allez pas au milieu. Ah, non. ah, voilà. Et cette zone-là là, qui est C'est ici au ouverte, milieu. pour ceux qui connaissaient l'ancienne map du RPD, là, on peut aller ici. C'est cool. Ah, c'est bon, j'ai trouvé un générateur. Non. Par contre, j'ai un petit temps de latence quand j'appuie sur le bouton et tout. Villa Raptor. Ce qui est bien, c'est l'affection, elle bouge pas quand on est accroché. T'as pu la péter d'un coup la palette avec le truc, comment t'as fait ça? Ok, bon, c'est une peur, c'est un rascal. Et du coup, Richard. Peut-être sauver Mimo. Oui, il est encore accroché. Ouais. Je suis accroché au milieu. Et moi je suis accroché juste à côté là. Et par contre il va passer en P2 parce qu'il allait pas tout. J'arrive. Ah, P2. La prochaine fois tu meurs. Non, sans blague. Oui. Ah non, il est en haut. Mais je descendais. Ah, il a pété mon gène là-bas au fond. Mimo, t'aurais dû Ça, rester là, on t'aurait soigné. Ouais, j'arrive. C'est pas Mimo là? Non, c'est moi, Adam. Non, le grand. Il arrive. Non, 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 j'ai peur. T'as mis dehors mon gros cul noir, rouge qui doit sortir là. Putain, mais t'es sur le Allez, je vais péter, je vais pas faire quoi faire. Tu fais la discrétion de zéro. Il y avait mon gros cul rouge qui devait sortir derrière le banc. Ah oui, clairement. Ouais. Alors là, du coup, les sprays de secours qu'on peut ramasser, bon, ils sont énormes. Et du coup, voilà, on peut se soigner comme ça. Et on peut réutiliser si j'ai pas de bêtises. Ouais, une fois. Et des zombies aux fenêtres, c'est drôle. Ouais. Cette map. Ah mais ils ont... Ah non, elle est là, la porte. J'aurais aimé dire, putain, ils ont fermé la porte, c'est con. Merde, mais ils ont ouvert ici.
c'est quelqu'un. Quand on des escaliers, hein, quelqu'un accroupi. Oh mais putain, mais j'arrive pas à voir les QTE, il y a une grosse latence. Il arrive à me tuer. Ah du coup là ouais, je viens de passer la fenêtre vite, donc c'est à dire qu'il va avoir un petit boost en passant une fenêtre. Mais suis-moi pas, espèce d'abruti fini à l'urine. Je savais pas que t'étais là. Mais il court vite. Ouais mais j'ai des grosses... Après il m'a tapé 3 fois avant que je meure, normalement c'est pas 2 fois. Après, parce qu'une fois il a dû te balancer mais il y avait pas de mur, donc du coup t'as juste pris t'as juste été contaminé. Ouais. Ah non, j'ai pas la compétence pour partir. Bon bah ouais. Bon attends, je vais essayer de venir. Par contre j'ai des grosses saccades, je sais pas d'où ça sort, mais la manette elle... Peut-être qu'elle capte pas, je suis un peu plus éloigné de la pescade d'habitude, mais bon c'est de la merde si c'est ça. Tu vois, il court et il arrête de courir après. Après il y a un zombie. J'ai entendu un bruit de zombie. Ah ouais, dehors. Ouais mais il l'a dit... l'extérieur. Ah merde, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Oh ouh là 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 là. J'ai fait un face à face là. Me cache. Ouais, faut que je prenne en compte qu'il y a un petit temps de latence. Wow, on a les escaliers. T'as été devant moi, t'as disparu d'un coup. Je veux passer à toute vitesse. Ah, mais quand ils sont au début, je les loupe obligatoirement. Hein. Je sais pas pourquoi il y a de la latence comme ça. Ah, faut que je trouve une caisse. Putain, il y a même là-bas. Putain, la manette elle est chargée full. Non. Ah, tu vas mourir. Ah oh oui, Mori. Mori. Ah, il peut. J'ai rien vu, quoi. T'es dans les murs. Oui, je suis dans un mur, moi. Je peux pas. Là, il a mouru. Mori. Ah non, il manque Mimo. Là, vous le voyez, là. Ah, je le vois en rose, en train de courir. Comme il court, c'est terrible, il est penché à l'avant et tout. Ah mort. Non. Quoi, je t'ai pas soigné. Mimo, faudra pas que tu regardes la vidéo. Pourquoi? Bon, regarde la peau juste. Bon, Ilo, je suis désolé par contre parce que je risque de faire péter le jeune. Quoi? Je risque de faire péter le jeune. Oh. Les QTE, je peux pas les faire, il y a un gros temps de latence, je sais pas ce que c'est que ce bordel, je peux rien faire. Là, je laisse appuyer pour courir et elle ralentit d'un coup, elle marche juste. Je sais pas. Ah, ça me le fait moi aussi, quand je joue. C'est pas la manette, c'est le jeu. Ah, c'est le jeu? Ouais, ça me le fait aussi. Parce que du coup, je loupe tous mes QTE et quand je veux courir, et bah ça. Elle arrête de courir pour marcher. Oui, ça me le fait aussi quand je joue. Ah bon, bah ça me rassure. Bah je me disais qu'avec Wesker ça le faisait pas, j'avais aucun problème, et là c'est toujours joue ad hoc, ça me le fait. Faut pas qu'il y ait de QTE. Ah c'est bon, j'ai réussi. Si vous voulez, là-bas vers le bureau des stars, vous pouvez teabag Mimo, je l'ai fait moi. Alors c'est caché là. Il est pas de côté, mais pas. Moi j'étais le teabag un peu Mimo parce que c'est marrant. Je l'ai vu. Non. Ah, c'est derrière moi. Attends, voilà. Recule un peu. Tu m'as bloqué. Voilà. Tu m'as bloqué. Vas-y, viens. Cours. T'es là, oui. Oui. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il a sauté. Regardez, je laisse appuyer. Hein. Il y a le cours bizarrement. J'ai même pas vu qu'il était derrière.
Oui. Bon, ce gène-là a été fait. Ouais, y'a Mimo. On dirait de la perte de connexion, je sais pas quoi, c'est étrange. Comment t'as fait pour mourir? Bah, elle est morte. Ah, mais j'avais pas vu ça à l'extérieur comme ça là. Ouais, c'est ça la petite partie en plus à l'extérieur, c'est trop cool. Je la vois pas avant, je la voyais. Allez-vous, allez, ah, mais elle est là-bas au fond. Non, non. Tu sais que tu dis non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Loïc, t'es un peu trop sec, pas sur les bords. Hein. Non, mais je vais mourir. Là, il peut mourir, je crois. Parce que c'est la deuxième fois. Bah, oui, il peut te mourir, t'es en P2. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux faire ta compétence de Ada, là, fallait que tu sois seul. Mais t'es pas mort? Oui, bonjour, vous avez besoin d'un papier, monsieur? Service des impôts, bonjour. Alors voilà, je peux vous faire ça. Là, voilà, il y a un petit téléphone, je peux vous appeler Iron si vous voulez. Non. Fuis. Ah, il faut cuisser les gens décrochés. Merci, c'est Ada. Ada est partie en vacances. Ah, ça doit être long. Ah, mais une ouverture ici aussi. T'as mis des ouvertures partout et dans ce bâtiment là, c'est honteux. C'est un gruyère le truc. Raptounet. Oui. Faut être gentil. Je te vois. Quoi? Comment ça tu me vois? C'est faux. C'était juste pour faire paniquer. Attends, je vais sauvegarder. Ah! C'est le save. Ah, mais ils ont fermé ici, du coup, vu que c'est l'aile ouest. Du coup, on est sur l'aile ouest, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, du coup, c'est pour ça que ce côté-là est fermé. Bon, je visite. Hein. Ah, c'est bien, ils ont fait comme dans le jeu. Tu récupères le sceptre. Bon, Igor, t'es obligé de ronfler comme ça, là, t'abuses. Hein. J'espère qu'on va pas l'entendre. J'ai plus ma balle pour lui jeter dessus. Igor. C'est le gros tête de nœud. Bien silencieux, Raptar, tu me fais peur. Ouais, mais il y a des petits lags, des petites latences.
T'es mort tout. Très loin de toi, t'inquiète. Moi je fuis alors. Oui. C'est la compétence d'Ada, vu que tu es seul. C'est laquelle cette compétence? Bah c'est celle qui est activée là. Okay. Où je fais pas de trace de pas, j'ai pas d'hémorragie, je fais... si j'ai d'hémorragie je perds moins de sang. Raptounet, je t'offre un spray de premier secours. Ça, tu pourras soigner tes blessures. Oh, loulou. Allez. J'ai fait n'importe quoi et la partie a fait n'importe quoi parce que j'arrivais à aucun QTE. Alors, Ada, c'est plutôt cool, mais je sais pas, c'est perk. Personnellement, j'en ai pas trop l'utilité. La seule un peu cool, c'est celle dans le... Tu peux mettre le truc dans le générateur. Le truc pour, du coup, capter le boss, là. Mais la dernière, là, où j'en ai pas eu besoin pour... dans ce profil boss, j'en ai pas eu besoin. Et l'autre guérison réactive, bah, j'en ai pas eu besoin non plus. Parce que bah, je me suis pas soigné. Donc, voilà, il y a qu'une paire que j'ai vraiment utilisée. Hop, du coup, on va passer à la prochaine game où, du coup, je vais jouer Rebecca Chambers. Et du coup, pour terminer, dernier personnage en survivant, donc Rebecca Chambers, où encore une fois, vous ne voyez pas son grand front intelligent. Du coup, en perk, elle a hyper concentration, c'est long à dire. Après avoir réussi un test d'habilité excellence qui ne va pas arriver en réparant ou en soignant, cette compétence gagne un jeton, jusqu'à 6 jetons au maximum. Chaque jeton augmente la probabilité de déclenchement de test d'habilité de 4%. La vitesse du curseur de test d'habilité de 4% et la progression bonus pour des tests d'habilité excellents augmente de 30% de sa valeur de base. Voilà, tout dans ce genre, il y a trop de trucs. J'ai pas compris. lorsque vous complétez une action de soins sur un autre survivant, le survivant en question reçoit un bonus de vitesse de 16% pour soigner, ouvrir les coffres, purifier ou bénir un totem. Ça c'est cool. Et un dernier réconfort, lorsque vous êtes dans un rayon de 6 mètres d'un survivant suspendu à un crochet, utilisez le bouton de capacité active pour interrompre sa progression de lutte pendant 30 secondes. Ça c'est cool ça. C'est-à-dire que si le tueur est là en train de tourner autour ou de camper, bah du coup tu peux ralentir le temps de du crochet. C'est vraiment cool ce perk là par contre. Bon, la première va pas se faire dans cette partie là, je vous le dis tout de suite parce que les tests d'habileté excellents, là... c'est compliqué. À moins que ma connexion saute, faudra que je regarde sur pause mon ping à combien il est. Mais bon, normalement il devrait pas y avoir de merde. Donc, du coup, ce sera Loïc en tueur qui a mis à Maurice, cette espèce de sale race. Comment tu sais? Bah, parce que le truc c'est pas retourné. Ah. Il a combien mon ping? Ah bah non, ah bah si. À 194 si j'ai un problème de ping. Ah non, 40. Alors si je bouge un peu. 40. Bah non, bon, il est pas mal. Ah, mais c'est la même map. Travaillez bien. Ouais. Je pars seul dans mon coin en exploration. Bloqué. Je vais trouver le One Piece. Je suis caché. Ouais, non, mais. Je suis caché au. Là, j'ai des. Bah, non, c'est pas de problème de connexion, il y a vraiment un problème avec le jeu. Ah, c'est cool ici, ils ont rajouté un endroit pour faire un loop. Il fait péter un générateur pendant 15 minutes. Oh Seigneur! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a fait un faux. C'est qui? C'est les jumeaux. La jumelle. Oh, l'enfoiros. Il a pas d'endroit. C'est Lilo et Scott. Il a dû mettre réparateur ou insidieux. Petite sale race. You, gamin. Viens là, gamin. Shoot them, baby! Mais je peux pas non! Non! Gamin de merde! Oh là là, ils vont faire n'importe quoi!
Vite, vite, je le tue. Hop, tiens. Qu'est-ce que ça me dit quand tu le tues? Hey, il est revenu dans mon corps. Ah bah tout. Oh, bon, bon, bon. Mais pourquoi t'es invisible comme ça là? Ah, wow. Y'en a un qui a fait devant le prochain. Devant le prochain en plus. Ah non, en plus je voulais te jeter une hache, je crois que j'avais la chasseuse. Ah mais je suis con, je vais t'accrocher. Ah oui, il y a un crochet juste là. Raptor, t'as pu aller la soigner ou... Ah c'est lui là. Putain, j'arrive plus à me séparer. Ah c'est bon. Dégage avec ton gosse de merde. T'es où? En fait, je viens de faire le tourner un truc pour rien. Ouh là là, vite. Fuis, petit Mimo. Non, non, mais il y a un souci là. Il a plus d'aura. Il a mis... Ouais, il a dû mettre vocation. De la fermer. Non, je sais pas, moi je mets. Ah oui, le truc où on voit les gens qui se soignent. Oui, t'as dû mettre ça. Oui, c'est ça que j'ai mis. Ah bon, tu vas foncer direct dessus. Moi j'ai présenté mon. J'ai l'impression d'avoir des gros lags alors que j'ai 42 ping. Igor! Avec Igor, on voit tous les générateurs. Oui? Non, tu m'as pas. C'est terrible. Quoi? Mais le palette. Mais le palette, ça tue pas le bébé quand je saute. Si. Ah, quand tu sautes, je sais pas. Il est terrible ce chien. Ah, je vois deux personnes, j'en vois trois. Mais ils ont bloqué l'accès à la bibliothèque, j'aimais bien monter en haut. Moi. Ça faisait un bon endroit pour loop, mais ils l'ont enlevé. Il y a quelqu'un là qui marche, je le vois, je vois des pentagrammes autour. Regarde là. Des pentagrammes? Non, ça s'appelle des éraflures. Ah non, merde. Bon, allez, on va retourner sur la patte. J'envoie Scott. Oh, je viens de réussir deux tests. Je sais même plus à quoi elles servent ces paires que. À la Michel. Ce qui est. Je sais plus comment elle s'appelle. Avec un débardeur bleu. Jill? Quoi? Non, pas Jill, l'autre. La BK elle a, pas un débarde... elle a pas un débardeur bleu. Hein. Ah, Sheva, il est violet. Ah, c'est, la... c'est Darkwall, je crois que la skin, c'est Lego. Oh elle, seigneur, tu veux faire un arrêt, toi. T'as tué mon bébé. Mais moi, de terre, je traverse la map là en mode vert de terre. Mais cet enfoiré, il a mis le truc sur les jeunes pour pas qu'on voit où tu es. Non, moi aussi je l'avais tout à l'heure, je voyais pas quand qui était KO. Il y a quelqu'un là qui fuit. Attends, attends, parce que là je vois c'est pas. Mais où? Ah là-bas, je vois un gène. En fait, j'essaye de vous suivre, mais vous me fuyez. On dirait que je fais un ver de terre. Non, personne ne veut traire. Personne ne veut traire. Merci. Oui. Ah, tu peux pas dire où je suis, sinon il va venir me cavaler dessus. Je te vois. Comment t'es passé arrête là, de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger, arrête de bouger. Tiens, chope le nain. Merde. Hop, chef. Non, tu m'as pas, non, s'il te plaît. Je suis gentil. Mais pourquoi ça voulait pas le faire? Oulala. Non, mais. L'animation pour t'éclater la gueule, elle s'est lancée trois fois. Attention. Et ça voulait pas le faire à 100%. Faites gaffe, du coup, il va arriver derrière vous. Sûrement. Arrêt cardiaque pour l'ailo. Ah ouais, mais quand y'a pas... Là. Là je t'ai accroché qu'une fois. Oui. Comment elle crie? Ouais, elle a un cri de mue.
Bah, elle est plus grande qu'avant, la map, et pas de... y avait pas un deuxième truc dehors. Yo, viens là, Mimo. Je te vois faire le gêne. Oui, mais j'attendais le dernier moment. Oh, Yout. Ah, j'ai mon bébé là-bas, il est en train d'aller sur le dos de quelqu'un. Non. On aura peut-être dû soigner Mimo avant avec. Je pense que ça va être mieux. Mais ouais, y a rien qui se passe correctement avec moi. Pourtant, mon ping il est à 42. Il arrive! Tiens, Mimo, prends. Ah, vous êtes là? Je vous voyais même pas. Ah non, vous êtes où? Non, on est pas là, c'est une blague, on est derrière là-bas au fond. C'est tout. It was a prank. On est parti vers la piste d'hélicoptère. Ah, vers le surf. Mais il veut. Mais il veut pas moi. Non, il veut moi. Regarde. Non, je voulais. Ouais, je t'ai aidé à moi. Oh, oula, daronne. Oula, daronne, elle est venue. Fais gaffe, il y a la daronne. Il en a qu'après moi. Ouais, moi, je vais me cacher. J'arrive pas à le tuer. Parce qu'il veut te mourir, bon, ça le rase comme ça et il en restera plus que 3. C'est mathématique, ah, oui, il sait que t'es en P2, il veut te mourir. Il m'a mis la palette, je l'ai tué en même temps. Oui, j'ai vu ça. Mais faut pas le faire maintenant, Joris. C'est un peu trop tard là. J'ai mon petit Scott qui est enchaîné. Voilà, maintenant tu peux le faire. Oulala là là. Nul. Tu sais pas mettre les palettes. Non mais je vais exprès. Non allez, tu vois. Hop chef. Non non. Tu peux pas la casser. Il a lâché son gosse. Il voit son jumeau. Après ils sont jumeaux. Bah ils sont pas jumeaux. Ils sont français en plus. Elle c'est Charlotte et lui Victor. Ça c'est moi. L'autre côté. T'as fait charge. Non l'autre côté. T'as pas chargé là. Ouais mais j'étais gros lag, des grosses saccades et tout. Non. Je l'ai quand même niqué. T'as tué mon bébé. Pas mon, je sais pas ce que c'est en fait. Jumeau. Ah. T'as tué mon jumeau. Attention. Je te vois. Enculé. Je le voyais pas. Attends, je peux pas appeler ma mère. Bah non, mais c'est ma jumelle. Ah mais il reste encore Mimo, j'aime pas. Mimo essaie de venir. Ah, il est derrière toi, Mimo. Non, procès. Tiens, non, non. Non. Mais... il est bien. Mais qu'est-ce qu'il est pour. Il voulait tuer le gamin. Fallait rien à Tito, faut lui taper le gamin. Mais Réa. Moi, je peux pas, mais elle est morte. Non, t'as rien à Raptor. Mais je sais pas qui j'ai Réa. Bah, lâche-moi. Je vous laisse une deuxième chance. Oui, laisse-moi une deuxième chance, regarde, je vais retenter. Lâche-moi. Je m'accroche, t'as plus de deuxième chance. Bah bravo. Voilà. C'est comme ça que je te lâche. Eh ben. Non, faut me décrocher maintenant. Attends, je décroche. Et il est où? Loïc, tu pourras pas me mourir. Il manque un. Il y a un cadavre avec deux, c'est drôle.
Il se débat, je crois, ouais, je pars de gauche à droite. Non, mais non! Raptor, il s'est barré. Attends, j'ai des petits par là. Revenez! Bah, revenez, moi je peux rien faire, je peux pas me lever. J'envoie mon enfant, mon jumeau. Bidi bidi. Non, non, pas moi. Ok, tu te fais. Mais je peux pas soigner. Ah. Oh lolo. Non. Bon cours. Bon, pour ça, vous le finissez tout seul. Hein. Oui. Il m'a croqué le cou. Au revoir, Mimo. Non. Oulala, il a grosse daronne. Oulala. Ah, pas vu, ouais. On dirait ta mère un peu, Mimo. Allez. Ça sort pas. Avec Falcom derrière. Allez. Non, il mourit dans l'escalier. Ah, c'est trop mal fait. Fou, regarde, je vole. Je continue à voler après. C'est beau. Ah ouais. T'es pas courageux, hein, Chicalo. Regardez dans les escaliers, je vole. Non, venez voir. Je vous offre un je vous offre mon jumeau. On peut voir moi qui vole si vous voulez. Ils sont où? Mais je vais où là? Mais je suis dans une cave. Non, je les ai perdus. Aïe, aïe, c'est attendez-moi. On soigne. Tito, il voit jamais mon enfant quand il arrive. Ah, ils sont là. Non, c'est qu'est-ce qu'il y a? Cours. Attends, elle est où la sortie là? Non. Ouais, les pertes de Rebecca par contre. J'en utilisais aucune. Mais ouais, t'as le bouton, il bouge tout seul. Ah, skin est bien. Partie 25842. D'accord. Ah ouais, j'avais tout en compétence. Mais ouais, t'as tout mis, t'as même mis des trucs rouges et tout. Espèce de je sais pas ce que c'est les objets. C'est un petit enfoiré. Donc et voilà, c'était tout du coup pour cette partie là en survivant avec Rebecca Chambers. Donc moi ces pertes personnellement je les ai trouvées inutiles là, de mon côté. De ma façon de jouer, c'est pas ces pertes là que j'utiliserais. Donc voilà.